Okay. Helen, I'll show you. Parce qu'il me fait plus tard dans la rue, ok? On va faire. Comment ça? Bon. Avant de vivre avec maman, papa et puis un frère. Même par contre, ça qui t'est passé, papa m'a décidé de mettre maman dehors. Et après, elle était venue avec une autre fille dans le cas là. Puis elle a commencé à parler de problèmes. Papa me commence à maltraiter nous pour finir et puis il vient décider de mettre nous dehors dans la rue. C'est ça. Puis ça veut dire là, si je comprends, ni où, ni Fola, ni maman, nous dans la rue actuellement. Bon, je n'aime pas tellement dans la rue à 100% là parce que nous étions là quand même à tout. La quand même à tout? Oui. Comment ça, la quand même à tout? Bon, maman m'a décidé de quitter dans la rue avec elle. Parce qu'il me sentit fille et puis il te mettait la rue maintenant. Bon, et ça m'a dit là, je ne sais pas si ça dérange, mais je pense que comme maman, c'est un adulte, il est quelqu'un qui est responsable. Je pense que il était bien pour te plaindre pour te signaler ça. Bon, je ne sais pas. Ok. Qui est-ce que tu as été là? Bon, je suis depuis bas, pas tellement. Qui côté exactement? Bon, l'enfant qui descend puis va ouvrir pour mon caille. Mon caille est petit en blanc et puis je n'aime pas. En blanc et puis je n'aime pas. Eh bien, moi pas quoi caille ça trop loin de côté de là, non? Eh bien, bah j'aime mon nom, ma connaît. Je n'aime pas tellement sorti tout. Eh bien, ok. Faut-tu parler de maman? Bon, maman, elle est Juliana et puis elle est rouge. Elle n'est pas tellement court. Et puis elle n'est pas tellement haute. Juliana. Juliana. J'ai l'impression que je suis contente de nous en côté. Bon, pas que toi, arrêtez, non, je vais aller. Parce qu'il faut aller chercher maman. Ah, ok. Ok, on l'a fois. Oui. D'accord. Bye bye. Je ne parle pas de ta capacité de chérie. Les filles, que tu vois la chérie. Quand tu vois les. Comment Bettina est? Bon chéri, parce que je m'en vais, il y a là. Je vais regarder qui je l'ai passé là, fait longtemps. Bon, on croit que c'est Bettina qui toujours venu au lac là. Oh, mais chéri, ça fait un bras là, parce que je ne sais pas qui ça a dit. Ah, chéri, vous allez animer au Bettina au montant. Non, mais le téléphone était gagné, il est venu le gars. Bien, chérie. Bien, c'est ça, attends. Pour qui t'a rentré dans tes doux? Ah, oui, chérie.
Ah, je pensais mal de vous visager. Isadora, ma fille, maman. Qu'est-ce que c'est? Isadora, qui est ma fille? Quand tu es un bon toi, elle va répondre. Je suis ta gueule. À qui est-ce que tu chaleur? Je suis ta gueule. En tout cas, petite fille, je suis ta gueule. Je suis ta gueule, c'est ma parette là. Quelle est la gueule que tu fais avec ton père? Pour elle parette là, la fille ferme ma gueule. Ça y est, ma gueule, parce que même les mêmes gens, c'est ça, ma gueule. C'est même la sociale avec. Mais non. Est-ce que c'est moraliste lié chaque temps vin là moi la parler la vin parler avec la femme la morale mais ça pour faire mais ça pour pas faire si une petite moi me doit parler par la personne OK qui ça est-ce que tu es Alors, c'est vraiment triste pour Daniel, parce que Daniel n'a pas mérité tout ça, Anastasia a fait le passé. Mais il y a une remarque dans le feuilleton. Si Dalton, en ce moment, madame, l'Hélène, qui est maman et papa Daniel, si on ne fait pas bien, le mariage n'a pas écrasé avant le mariage Daniel. Parce que l'Hélène, qui c'est madame Dalton, maman Daniel, lui pensait que c'est bien, lui pensait que c'est défendre la défendre petite lui. Lui pensait que c'est bien-être petite lui, la chercher. Mais des fois dans la vie, il y a un pile bagaille, et même, il y a un monde dans la vie où que vous arrivez perdu, soit par manque de compréhension, soit pas manque de maturité, mais c'est plus de vos belles connaissances, mon sang. Alors, c'est dans cette situation ça Daniel trouvé là. Daniel pas prend le temps, pas prend le soin pour être capable de comprendre Barbara. Il pas essayé d'entrer dans l'idéologie Barbara pour essayer de comprendre. Et bien dans la vie, moun qui nan mon lan et moun que prévoir au temps et gagnant, sous prend le temps ou prend le soin pour travail, pour enchérir, pour embellir moun qui nan mon lan, ou capable faire venir moun que t'es souhaité gagnant. Et bien c'est nous qui pas comprendre ça, Daniel arrivé tombé là. Lorsque Daniel est venu faire rencontre ensemble avec Anastasia, mais il n'a pas jamais pour le temps pour être capable d'écrire et connaître qui est mon Anastasia. Mais ça fait triste, mais ça, tout, c'est un manque de conscience. Si tout dans le moment ça, pour y en être prêt, marier avant, pour tout ça que vous besoin. Prends soin des petites qui pas même pour lui. Pour je ne jodia, c'est là, c'est ça que vous venez mettre en retour. Mais, de fois, pour qu'on ait des moments qui vont chercher le sens de la vie,
ou pas jamais qu'à essayer de comprendre. Et même tout bon proverbe qui dit, côté qui chaîne, pas de goût. Eh bien, mes amis, c'est triste réalité. Daniel a passé un moment qui est extrêmement difficile. Et moi, quoi? Si Dalton pas mette garçon dans garçon, il m'a garanti li gagne pour arriver très loin ensemble avec madame qui c'est l'Hélène. Parce que jusqu'à présent que l'Hélène pas jamais essayé de comprendre la réalité que Daniel a expliqué là. Pour lui-même, il pense que c'est jalousie que Daniel a fait. Pour l'Hélène qui c'est maman Daniel, il pas essayé de comprendre, il pas essayé tout faire des pressions sur Anastasia pour arriver à exactement découvrir qui est Anastasia. Mais c'est bien malheureux. Pita va pitris. Et dans la mesure que l'Hélène qui c'est maman Daniel a agi là, demain, si je veux, moi, je crois que si avec Glonanger, que Libral vient dit Dalton, qui c'est Maril, qui c'est papa Daniel, oui, chérie, tu as raison, tu as parlé pour Anastasia. C'est qu'on y a une situation qui me déconne, mais tes petits garçons qui c'est Daniel. Eh bien, tout ça, c'est un proverbe qui dit. Lorsque on court pour la pluie et puis on va tomber dans la grande rivière. Même moment Daniel, tout lui parle pour le soin.